Alors, salam alaikum. On va continuer le paragraphe sur la statique du fluide, le cas maintenant compressible. On a vu la dernière fois le cas au paragraphe 1.1.1, cas où le fluide est incompressible. Donc on a trouvé ce qu'on appelle la loi fondamentale de l'hydrostatique. Maintenant, le cas où le fluide est compressible, généralement c'est le gaz. Donc, on va maintenant, bien sûr, essayer de trouver comment varie la pression en fonction de l'altitude. Parce qu'on est en statique des fluides. La pression varie uniquement avec l'altitude. D'accord? Très bien. Bien sûr, on n'est pas venu de l'équation fondamentale de la statique des fluides qui est toujours dp sur dz égale moins oméga bar. Ça, c'est l'équation fondamentale de la statique des fluides. Alors, oméga bar, bien sûr, c'est égal à rho, bon, moins rho g, d'accord? Donc, on est le fluide est compressible. Qu'est-ce que ça veut dire, un fluide compressible? Compressible, c'est par définition, c'est que rho, il n'est pas constant. D'accord? La masse volumique varie. C'est ça ce qu'on appelle un fluide compressible. Maintenant, comment trouver cette loi de variation de pression? Bien sûr, g, on va le considérer comme la dernière fois. G, on n'est pas avec une très grande altitude. Donc, g, elle est considérée pour la majorité des applications g comme constante. Donc, on va calculer dp. Maintenant, dp égale à quoi? Moins rho g, dz. D'accord? Alors, si on intègre d'un point, maintenant, d'un point d'altitude z1, un point z2, la pression, elle est p1 et p2. Maintenant, on ne peut pas faire comme la dernière fois, faire sortir l'eau, parce que maintenant, il n'est pas constante. G est constante, on peut la faire sortir. Maintenant, l'eau, elle n'est pas constante. D'accord? Donc, c'est pas aussi simple que le cas incompressible. D'accord? Maintenant, on a affaire avec un gaz. Donc, un gaz, on utilise l'équation d'état des gaz parfaits. Un gaz parfait, on sait que l'équation d'état, c'est P égale ρRT. Donc, ρ égale à quoi? Égal à P sur RT. Donc, on va manipuler cette équation. Donc, dP sur dz égale moins ρg, donc égale à quoi? Moins PG fois P sur RT. D'accord? Donc, on va faire une séparation des variables. Donc, dP par P égale maintenant moins G sur RT dz. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est la même chose. Donc, on peut maintenant passer à l'intégration de z1 à z2, la pression p1 à p2. Bon, g, la pression est constante, R, c'est la constante spécifique du gaz, est constante, mais il reste T, la température T. Donc, T varie aussi avec l'altitude. D'accord? Donc, pour pouvoir intégrer ici, là, si on peut intégrer, si on fait par exemple l'intégrale de P1 à P2, dP sur P égale moins G sur R, ça c'est une constante. Maintenant, dz sur T, de l'altitude z1 jusqu'à l'altitude z2. Maintenant, pour pouvoir intégrer, il faut trouver une relation entre T et z. D'accord? Alors, puisqu'on est dans, par exemple, le cas idéal, on cherche comment varier la pression, par exemple, ici dans le milieu du Z, qu'est-ce qui est l'atmosphère. Donc, on va considérer une hypothèse de l'atmosphère standard. Hypothèse de l'atmosphère standard. Hypothèse de l'atmosphère standard. C'est quoi l'atmosphère standard? Si vous voulez, c'est cette atmosphère, réelle, bien sûr, elle est idéalisée. D'accord? Donc, elle est représentée par des conditions, c'est-à-dire idéalisées. Il y a des hypothèses pour comment définir cette atmosphère standard. Alors, l'atmosphère standard, le gaz construit cette atmosphère qui est l'air, il est considéré comme un gaz parfait. Dans cette atmosphère, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, c'est-à-dire qu'on reste toujours dans le cadre de statique des fluides. S'il y a du vent, alors que, bien sûr, on n'est pas dans le cadre de la statique. Hein. Voilà. Donc, ces cas ne sont pas réels, mais ça, c'est l'idéalisation de cette atmosphère réelle, l'atmosphère fondamentale. D'accord?
C'est une bombe, hein? Donc l'atmosphère standard, elle est constituée par plusieurs couches. Donc, couche d'atmosphère, il y a la couche la troposphère, là de 0 à peu près 11 km. D'accord? Ensuite, il y a la stratosphère. Alors, supérieurement jusqu'à 32 km. Il y a aussi alors troposphère, il y a le mésosphère et thermosphère. Il y a aussi ionosphère, etc. Voilà. Ou bien exosphère, etc. D'accord. Elle est composable avec ces couches-là. D'accord. On va considérer nous juste la première couche, la troposphère, 0,11 km. Bon, pourquoi cette couche-là? Parce que généralement, les avions qui volent dans ces latitudes-là. Donc, la latitude maximale des avions commerciaux, latitude maximale de vol, c'est 12 km. Hein. D'accord. Donc, c'est très raisonnable de considérer cette première couche. Dans cette couche-là, la température de l'air varie. L'idéal, selon cette loi-là, donc c'est égal à T0 moins bêta fois Z. T0, c'est quoi? Si la température au niveau du sol, l'altitude Z est égale à 0, dans les conditions standard, c'est 15 degrés Celsius. Bêta, c'est un coefficient de proportionnalité, et Z, c'est l'altitude. Ce bêta est la unité de quoi? De Kelvin par mètre. Sa valeur de bêta, c'est 0,0065. 0,0065 Kelvin par mètre. Donc ça veut dire que la température diminue à chaque mètre avec cette valeur. Très bien. Donc maintenant, on peut calculer la loi de variation. D'accord? De la pression dans cette couche qui est ici dans la troposphère. Hein? Donc, alors, dp par p égale moins G sur R. Alors, 10 N. Maintenant, la température est égale à T0, elle est constante au niveau du sol, moins bêta Z. Donc, on va intégrer latitude 0 au niveau du sol, au niveau de la mer. Donc, c'est 0, la pression, on va valoriser la pression atmosphérique, P0 ou bien P atmosphérique, jusqu'à une altitude quelconque Z. D'accord, pour la pression, elle est P. À condition que Z là, bien sûr, elle est inférieure à 11 km. Hein. C'est-à-dire qu'on reste dans cette couche, dans la troposphère. Si on vous fait le calcul, donc ça c'est quoi? C'est dp sur p, c'est ln de p par p0. D'accord? Et si vous faites ça, ça c'est aussi une ln, d'accord? On peut faire facilement aussi cette intégrale, donc par changement de variable, etc. Donc tu donnes le résultat final, comment la pression varie, d'accord, dans cette atmosphère. Donc P égale P0, 1 moins, alors, bêta fois Z sur T0 par la puissance G par R fois B. D'accord? Très bien. Donc c'est ça comment on va pouvoir varier, par exemple. Attention, elle est cette formule, vous pouvez faire facilement cette égale. Donc elle est valable entre Z, 0 et 11 km. Hein. Donc si on a une autre loi de variation de la température, on dit que la variation en fonction de l'inconnue, donc on peut faire rapidement ces calculs pour trouver la loi de variation de la pression. Voilà, ça c'est le cas, dans ce fil, il est compressible, qui est le cas des gaz. Bon, très bien, on arrête là pour le moment, donc on continuera dans la prochaine fois, la suite de ce cours. Je vous remercie encore une fois pour votre attention.